les enfants, nous sommes arrivés à la super school. Tournez-vous. Waouh, c'est génial, Mademoiselle Hilda. C'est incroyable, Mademoiselle Hilda. Oh, super, je suis contente que ça vous plaise. Plein de créatures différentes cohabitent à la super school. Nous avons des princes et des princesses. Nous avons des monstres et des super-héroïnes. Évidemment, il y a d'autres petites sorcières comme moi et nos élèves sont comme vous, des enfants avec de pini-pouvoirs. Nous avons aussi des sirènes et nos chères fées qui sont là tous les jours. Waouh, regarde, Duna, c'est impressionnant. J'adore. C'est comme les jeux avec le tube à essai des cours de chimie. Tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Rock. Mais ça, c'est beaucoup plus joli. Ah, t'as vu comment ça s'est rempli de fumée? C'est super cool, Rock. Regarde, Duna, ça change de couleur. C'est génial. Oh là là, on va beaucoup s'amuser ici, Rock. Alors, voici vos super smarts. Faites le plus tôt possible vos comptes sur Flashbook. D'accord, Mademoiselle Hilda. Je suis là, Mademoiselle Hilda. Vous ne me voyez pas, je le sais, mais je suis là. Ne t'inquiète pas, Rock. C'est pour ça que tu es ici, pour apprendre à contrôler ton pini-pouvoir d'invisibilité. Ah, ne t'inquiète pas, Duna. C'est ta Repa, l'animal de compagnie de la Super School. Elle est super câline, Mademoiselle Hilda. Pas avec tout le monde, ma chérie. Apparemment, tu lui plais bien. D'accord, ça suffit de parler. Vous devez aller en cours, les enfants. D'accord, Mademoiselle Hilda. Par où on rentre? Où est la porte de la classe? Oh, j'avais oublié. Entrer en cours est très chouette. Vous êtes sûre, Mademoiselle Hilda? Je dois passer par ici pour entrer en cours? Effectivement, ma belle. C'est une méthode infaillible pour que vous arriviez tous contents en cours. Attention, j'y vais! La Super School est géniale! Je vous présente votre classe. Et là-bas est votre tutrice. Elle s'appelle Alana. Bonjour, Duna. Bonjour, Rock. Enchantée de vous connaître. Attendez une seconde, ce chapeau me gêne beaucoup. Ah, sur le porte-manteau, c'est beaucoup mieux. Regarde, Mimi Pipa, les nouveaux sont arrivés. Ceux qui sont frères et sœurs? Oui, Mimi, frère et bête. Les frères bêtes. Les frères bêtes. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous avons examen. Duna, examen. Oh là là, Rock, mais on vient juste d'arriver. Frère bête, sachez qu'à la Super School, les examens sont toujours surprises. Voyons les enfants, ne vous inquiétez pas. Tous les pinipons avec pini-pouvoirs peuvent apprendre les pouvoirs de transformation simples. C'est rigolo, Sorette. Quelle mauvaise chance, Rock. En plus, nous sommes les nouveaux. Apparemment, notre tutrice est la sœur de la méchante du coup. Excusez-moi, tu veux dire que tous les pinipons avec pini-pouvoir peuvent apprendre? Sauf les frères bêtes. Mina, sois sage. Et les autres, commençons l'examen surprise. Aujourd'hui, c'est sur les coiffures. Heureusement que les cours sont finis, Rock. Quel premier jour horrible. Non, s'il te plaît, ne disparais pas et ne réapparais pas à nouveau, Rock. Je suis désolée, Duna, mais je contrôle pas encore le pouvoir de l'invisibilité. C'est énervant, je suis toute seule à nouveau. Regarde, Mila, voici la nouvelle. Tu veux que j'utilise mon pini-pouvoir pour lui faire une blague? Oui, Mimi. On va bien s'amuser. Eh, bonjour ma belle, tu es nouvelle au collège? Quoi? Comment? Oh oui, oui, c'est mon premier jour de cours. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Duna et toi? Je m'appelle Mickey. Oh non, excuse-moi, je m'appelle Mimi. Ou Mickey, je m'en rappelle plus. Je viens de me rappeler, oui, je m'appelle Mimi. Mimi, j'adore ton pini-pouvoir. Tu peux te transformer en garçon ou en fille quand tu veux. Et regarde la tête qu'elle fait, la sœur bête. On y va, les filles. On s'est bien amusées. Bonjour, Duna. Je m'appelle Dita. N'y fais pas attention. Mila a un humour un peu particulier. Allez, ajoute-moi sur ton flashbook et je t'ajoute au mien. Quand je suis arrivée à ce collège, je connaissais personne comme toi. Donc ne t'inquiète pas, je vais t'aider.
Mais attention, Mila ne doit pas l'apprendre, sinon elle sera très jalouse. D'accord, Dita, ne t'inquiète pas, je lui dirai pas. Et merci. Ouf, ça va être difficile d'étudier à la super school. Où est Rico? Il me manque. C'est complètement impossible de répéter sans Rock. On n'a pas d'autre option que de continuer à chercher la super school. Et comment on va la trouver? J'ai une idée. On se sépare, d'accord? Et chacun de son côté cherche la super school. Voyons voir si on la trouve. Oh non! Vous aussi, vous avez des pini-pouvoirs. Vous n'êtes plus deux, mais six! Oh là là! Tout le travail que vous me faites faire dernièrement! Est-ce que Cocky et Rock iront à la super school en laissant Rico tout seul? Ne manquez pas le prochain épisode de la Super School de Pinipone.